Bonsoir tout le monde et bienvenue à Vox Artiste. Je vois beaucoup de visages familiers et de gens qui viennent souvent, régulièrement. Et quand je suis de passage, j'ai le plaisir de vous souhaiter la très très bonne année pour une année encore remplie de réalisation et surtout ici, le débat sur le rôle de l'art et de l'artiste dans la société. Et j'ai le grand plaisir d'ouvrir la série de cette année avec un photographe artiste qui nous intéresse depuis longtemps et que nous suivons depuis un moment. Et il y a Ibrahim Atian qui est là. Ibrahim Atian est photographe originaire de Saint-Louis qui travaille au Sénégal depuis plusieurs années et dont la pratique est vraiment ancrée sur la lecture et la médiation et la transmission de notre environnement. Et quand je dis environnement, ça peut être un environnement physique contemporain comme ça peut être un environnement historique. Ibrahim a une pratique axée sur comment l'image détermine, influe, définit notre perception de nous-mêmes, mais aussi notre perception de nous par rapport au monde et de notre perception du monde en général. Je ne vais pas être très très long parce que je pense qu'Ibrahim a énormément à partager avec nous, surtout sur le fait que sa pratique est vraiment ancrée aussi autour de Dakar, notre ville bien-aimée. Et parce que je veux laisser assez de temps à Massamba Mbaye, qui est notre, comment on peut dire ça, critique dans la maison, qui travaille avec nous depuis le début, vraiment, et j'en profite pour te remercier, Massamba, pour ce compagnonnage et cette fidélité par rapport à cette plateforme qu'est Vox Artiste. Et comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, Vox Artiste est vraiment cet espace où nous donnons la possibilité à un artiste de présenter son travail hors du cadre d'exposition, parce que nous sommes convaincus que comprendre ce qui anime et ce qui pousse un artiste à faire des choses est aussi important que la présentation et la finalisation de ses œuvres elles-mêmes. Donc la trajectoire créative et la trajectoire personnelle de l'artiste est un espace qui est rarement accessible, surtout dans le cadre d'une exposition, et donc comprendre et avoir accès à cette trajectoire est essentiel pour nous et essentiel pour le public. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette série Vox Artiste. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, Massamba et moi, nous flirtons avec l'idée d'en faire un ouvrage, parce que maintenant, après presque 10 ans, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière sur ce travail. Donc, je vous remercie de votre fidélité et je passe la parole à Ibrahim et Massamba. Je pense que Massamba va mieux présenter Ibrahim que moi, j'espère. Et par la suite, il y aura un temps de débat, de discussion, comme d'habitude. Et vers la fin, il y aura quelque chose à voir et à vous noter. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci de ton matériel. Merci beaucoup de m'avoir invité pour le Vox Artiste. Moi, en fait, j'explore la photographie comme un support de narration visuelle et un outil de représentation. Bon, je vais vous présenter des séries
de photos avec la notion, mon premier travail c'était la notion du temps. J'interroge le temps, j'explore les archives aussi, la mémoire, les histoires imaginaires et l'oralité. Et en fait, ces trois séries que je vais vous présenter. Je vais vous présenter ces trois séries. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de t'attendre? Ça, en fait, c'est juste au début de mon travail, avec l'empreinte du temps. Voilà, je me questionnais, je voyais beaucoup de choses qui étaient là, invisibles, dans la rue. Et qui me parlait, parce que en fait moi dans mon travail j'essaie toujours de questionner le temps, l'environnement, et cette série c'est juste au début de mon travail hein, qui s'appelle Empreinte du temps. Et après avoir j'ai commencé en 2009 la photographie. Après, je me suis dit, il faut aller vers l'histoire. Il faut apprendre l'histoire de la photographie. Et je suis tombé dans un livre de Revue Noire, Anthologie de la photographie africaine. Et j'ai vu des photos d'archives, beaucoup de photos d'archives qui parlaient de ma ville, Saint-Louis. Et pour parler de l'histoire de la photographie, Saint-Louis a joué un rôle très important. Parce qu'il faut savoir que la photographie a été importée à Saint-Louis au début du 19e siècle. Et en 1880, c'était l'arrivée de la photographie à Saint-Louis. Et il y avait des photographes français qui étaient là, qui s'appelaient Bonnefitte, Thatcher, Oscar Lataque et Frontier. Et eux, en fait, ils ont utilisé la photographie comme un outil ethnographique et anthropologique. Parce que si tu voyais ces photos, vous voyez, c'est des photos qui sont nues, on les a photographiées. C'était pour voir les personnes, voir l'ethnie, est-ce qu'ils sont Wolof, Djola, s'il vient du Wallow, s'il vient du Djolof, s'il vient du Kadjor. Et je me suis dit que quand j'ai regardé les précurseurs de la photographie de Saint-Louis, comme par exemple Moïse Gueye, Maman Kassey, Salah Kassey, je vais vous montrer les photos après. Eux, ils ont changé complètement la façon de photographier. Par exemple, eux, c'était ethnographique anthropologique. Là, c'est une photo de mon arrière-grand-père, Samuel Obetcham, qui était bijoutier. Moi, je suis né d'une famille bijoutier. Et en 1890, il y avait une exposition universel en France, il avait amené des Saint-Louisiens qui travaillaient le fer pour l'exposition du village de Saint-Louis. Et lui, il n'était pas content parce que, en fait, il y avait un problème de rémunération de ces gens-là. Et il avait contesté. Et finalement, parce que cette photo, moi, je l'ai trouvée dans un site qui s'appelle Sénégal Métis. Et il paraît que après, il a négocié avec le commissaire d'exposition et que finalement, on l'a pris en photo. Mais si vous voyez la photo de face et de profil, toujours cette idée ethnographique et anthropologique. Et là, c'est une photo de Moïse Gueye. Moïse Gueye, c'est le premier photographe de l'Afrique AF. Et vous voyez, il y avait le timbre à sec qui s'appelle Tropical Photo.
Saint-Louis. Donc les mains sagaillées. Ça c'est sa photo aussi. Ça c'est mon point cassé. Eux ils ont changé complètement. Donc ils ont donné à ces gens au peuple l'image identitaire. Et ça c'est important dans l'histoire de la photographie africaine. Ça, c'est toujours la photo de Mama Kassé avec le studio. Ça, c'est aussi une photo de Mama Kassé parce que Mama Kassé, il a pris la photo, après il est parti, il est venu à Dakar ouvrir son studio à Medina, qui est devenu un grand studio de Dakar. Là aussi, c'est Mama Kassé. Vous voyez, les photos, en regardant les photos, il y avait leur style de vie. On voyait les coiffures, on voyait les libidors. En fait, c'était un rituel, se préparer pour faire la photo. Tu vois, l'identité de cette femme. Ça, c'est une photo de Benoît, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, il y avait beaucoup de studios. Comme aujourd'hui, on voit les salons de coiffure à Dakar, il y avait beaucoup de studios photo. Ça, c'est une photo de Mama Kassé. Ça aussi, c'est une photo de Mama Kassé. Ça aussi, c'est une photo de Mama Kassé. Ça, c'est une photo de Safia Dine, qui a toujours son studio à Dakar. Et là, c'est un photographe que j'ai trouvé à Touba qui s'appelle Omar Kar. Omar Kar, il est né en 1930. Il n'a jamais exposé ses photos. Il a fait beaucoup de photos dans les villages, environnement à Kolobane, à environnement de Touba. Beaucoup de photos. Il n'a jamais exposé. Quand j'ai eu la chance de travailler avec une historienne de l'art qui était venue ici pour faire l'histoire de la photographie sénégalaise, elle a fait sa thèse, la photographie de 1860, l'arrivée 1880, la rentrée de la photographie au Sénégal jusqu'à 1960. Et lui, ses photos, c'était en 1959. Et quand on l'a rencontré, il nous a sorti ses archives et on l'avait exposé pour la première fois au Metropolitan Museum. Et eux, ils ont acheté les photos de Omar Kar. Pour vous dire que, en fait, c'était important. L'histoire de ces gens-là, parce qu'il a raconté la façon dont il partait prendre des photos avec cette valise où en fait il y avait son le rideau noir, parce que lui il photographie le studio en plein air, et dans cette valise il y avait ses bagages, et il donnait ces femmes qu'il a trouvé dans le village, et que voilà, elle voulait montrer la modernité. Et il a utilisé sa valise, il m'a expliqué avec le montre, ils ont porté le montre, comme les ustensiles de la modernité. Et moi qui a archivé beaucoup de photos depuis, j'étais petit à Saint-Louis. Et en fait, à chaque fois que mes cousins, mes cousines, ma famille venaient pour les fêtes d'année, je fermais la porte et leur montrais les photos de leur père, de mes tantes. Et ils n'arrivaient pas. Ils me disaient, mais ça, c'est ton père, ça, c'est ta maman. Et moi, c'était quelque chose, c'était un rituel et c'était extraordinaire. C'était comme le cinéma.
Et je gardais toujours ces photos. Chaque année qu'ils venaient en vacances, c'était le rituel, c'était la même chose. Jusqu'à 2009, j'ai commencé à faire la photo et que j'ai étudié l'anthologie de la photographie africaine avec Revue Noire et les précurseurs de la photographie sénégalaise avec Revue Noire, que j'ai vu que moi j'avais les mêmes photos qui parlaient de l'histoire de la photographie africaine. Et en 2015, il y avait les rencontres africaines de la photographie de Bamako qui s'intitulaient Telling Time, comment raconter le temps. Je me suis dit, je vais raconter le temps à travers les studios, parce que j'avais en mémoire les studios de Saint-Louis, toujours avec les photos qu'on mettait au mur. Et il y avait mon boutique aussi, il y a ce qu'on appelle le Khaïmé, qui n'existe plus. À Saint-Louis, ma grand-mère m'a expliqué, on utilisait beaucoup, par exemple, dans les mariages, la mariée, il y avait sa chambre, on mettait des photos du plafond en bas, toutes les photos, empruntées avec les voisins, les voisines, qui s'appellent Khaïmet. Et voilà, j'ai pensé à cette installation de mettre toutes ces photos et de partager ces histoires en même temps de partager les photos, parce que c'est important. Moi, je me dis que ça, c'est la mémoire collective. Parce que dans mes photos archives, il y a beaucoup de photos de la famille, mais il y a beaucoup de photos anonymes. Et ça, c'était l'empreinte, c'était des fêtes peut-être dans la famille, et on donnait les photos. Donc, je me suis dit que ça, c'est la mémoire collective, il faut le préserver et les conserver, et les partager. Et ça, c'est une installation que j'avais fait aussi en Mauritanie. J'avais fait une résidence Saint-Louis, Mauritanie, très proche, pour regarder, pour voir les photographes qui étaient là-bas. Et j'ai trouvé beaucoup de photographes sénégalais qui ont travaillé là-bas en Mauritanie. Et l'idée, c'était de trouver ces photographes-là et que la Mauritanie, avec l'Institut français, de faire un ouvrage sur les photographes, la photographie en Mauritanie. Et j'ai eu l'idée de le faire comme l'idée du prix du cul. Ouais. Et là, c'est des photos à Saint-Louis. C'est une photo de maman cassée. Et ça, c'est à Saint-Louis. J'ai vu en Saint-Louis avec l'architecture, avec le patrimoine, il y a beaucoup de maisons en baraque qu'on a, qui n'existent plus. Il y a quelques-unes au nord. Et je me suis dit, voilà, il faut prendre ces photos-là. On ne sait jamais, peut-être un jour, ça, on peut l'enlever. Au moins, ça restera pour la mémoire. Et ça, c'est ma photo. C'est une série intitulée Portrait Vintage. Moi, c'est une continuité, parce que avec les photos d'archives, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire un travail maintenant contemporain. Et je me suis dit, il faut repenser la photographie ancienne et contemporaine et en faire un lieu de dialogue. Et le lieu de dialogue, c'est réfléchir à la transmission, réfléchir à la manière, sa manière de production, de diffusion, et réécrire l'histoire aussi de cette photo. Et je suis allé à Saint-Louis avec mes cousines, et voilà, je sors les photos, et chacun choisit les photos qui le parlent, et moi je les prends en photo en plein air aussi, comme on faisait les studios avant. Ça, c'est la série. Votre vintage. Ça, ce sera la série Votre vintage. Ce sera la série Votre vintage. Et ça, comme
En fait, voilà, l'histoire est importante. C'est important de voir l'histoire, le passé. C'est pour se projeter au futur. Et moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose parce qu'il y a, ma grand-mère, elle n'est pas de la même famille, mais tout le monde connaît ma grand-mère de Saint-Louis, qui est la thèse du fleuve à Saint-Louis. Je ne l'ai jamais vue. J'ai toujours participé au rituel. Ma grand-mère faisait des rituels. On ne le voit pas. D'après la légende, son père, qui venait de la Mauritanie, une fois il a dit à sa femme qu'il ne faut pas amener notre fille Makoma au bord du fleuve quand tu fais le linge. Et une fois, en faisant le linge, Makoma est disparue. Et c'est comme ça. Elle est devenue la déesse. À chaque fois, sa maman revenait au bord du fleuve, elle le voyait assis de dos. Mais dès qu'elle appelle Makoma, elle disparaît. Et moi, j'ai fait une trivialisation de cette photo en le réinventant. Parce qu'il y avait son fils qui était, en fait, comprenez comme quelqu'un qui est fou, qui avait des savoirs endogènes. Quand il y avait la noyade à Saint-Louis, on l'appelait et c'est lui qui sortait le corps. Et il le sortait en l'embouchure. Et je suis allé à l'embouchure pour faire cette photo avec le banc assis du banc de dos. Toujours à Saint-Louis, avec les rituels, avec beaucoup de rituels, j'en ai mangé beaucoup, le cola, le lécaillé. Parce que moi, j'ai toujours considéré la photographie comme un outil permettant d'accéder au gisement de la culture orale. C'est un instrument pour moi qui permet de comprendre les autres, de pouvoir raconter beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important, de raconter à travers l'image. Et que mon style de vie et celle de mon œuvre reflète, reflète ma conception de l'existence. C'est-à-dire de mettre en valeur l'essence de tout ce qui est caché et invisible. Et pour moi, c'est important. Et l'histoire et ses savoirs en Belgique, c'est extraordinaire. Une fois, j'ai entendu Souleymane Bachidjel qui parlait de la religion avec le pluralisme. Et c'est important, dans ce monde actuellement, on vit dans un monde d'interconnexion universelle. Et il faut, pour moi, c'est important de se reconnecter avec le monde cosmique. Du monde sensible. Il faut une reconnexion et c'est important. Actuellement, on est en train d'oublier ces savoirs endogènes, ces histoires endogènes. Alors pour moi, c'est important, très important. Et voilà, je suis en train de travailler pour une nouvelle série, toujours dans l'imaginaire. Bon, peut-être que je vais le montrer pour la Biennale de Dakar. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de Long Matériel et l'invitation de Vogue Artist. Je vous souhaite une excellente année 2020 dans le siège de Koyo. Et je voudrais rappeler le principe de Vogue Artist. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à un artiste ou à quelqu'un qui fait de la recherche sur des questions esthétiques afin qu'il fasse le point sur l'état de ses recherches. Pour le cas spécifique de Ibrahim Al-Tiam, moi j'ai connu son travail dès ses premières prises. Parce que le travail qu'il a fait sur le temps, sur l'usure du temps, c'était un travail qui était très intéressant dans la perspective photographique, mais il me semble que lui-même n'était pas trop satisfait de ce qu'il proposait. Parce qu'il était dans un langage qui semblait
assez commun par rapport à ce qui se proposait dans l'univers sénégalais. Et c'est comme ça qu'il a fait ce chemin-là de recherche pour aller un peu questionner sa propre histoire et sa propre histoire familiale autour de la photo. Et étant donné qu'il vient de Saint-Louis, qui est une ville qui est assez charnière dans le domaine politique au Sénégal, mais dans le domaine de la création également, il a trouvé un terreau de choix pour affiner un peu ses prismes, ses perspectives sur le plan de la photographie. Et c'est comme ça qu'en fait, de ses premières prises de vue sur le temps, sur l'usure du temps, qui était aussi un travail expérimental sur son rapport à l'objet, son rapport à une situation et la mise en lien entre une situation et quelqu'un qui regarderait une photo. Voilà, il est parti faire ce travail-là, archéologie, vraiment, essayer de voir l'arché des choses et en quoi, parce qu'elles se sont sédimentées progressivement, lui-même est devenu et s'est trouvé une vocation de photographe. Et donc ce travail sur les premières photos a servi sur l'ethnologie, ce travail un peu pseudo-scientifique sur les caractérisations du vinaigre en situation, etc., lui a permis de faire le point sur une certaine approche et également de montrer qu'avec cette réappropriation de ce patrimoine-là, il est possible de proposer un autre regard. Un autre regard qui s'inscrit dans la lignée même des précurseurs de la photographie moderne sénégalaise, ce que ces gens-là ont fait. Parce que dans l'approche ethnologique, l'idée c'était de montrer, de trouver des caractères pour après définir, faire un peu comme Aristote, c'est-à-dire considérer des espèces, assez banalement. Avec les photographes sénégalais de la première génération, le regard a changé. L'idée, c'était de valoriser l'humain, mais autrement. C'est-à-dire que de ne pas les prendre comme des objets banalement de science, mais de les prendre comme des humanités en exercice. Et c'est là où on voit les postures, c'est là où on voit les apparats, c'est là où on voit également un certain nombre de canaux sur le plan de la beauté ou sur le plan de l'esthétique. Il a souligné la parure, il a souligné les tresses. Il a sûrement oublié de souligner aussi qu'il y a un certain nombre de canaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a un cou assez long avec des... Comment on l'appelle ça? Ndopobat, je ne sais pas comment. Comment on dit en français? Oui, c'était un des canaux de beauté les plus affinés. Et on retrouve ça ailleurs d'ailleurs, parce que dans d'autres cultures, les enfants très jeunes portaient des colliers pour avoir le cou long. Mais non, en fait, ce n'est pas seulement le cou long, mais les plis aussi étaient considérés comme des références sur le plan de la beauté. Alors, il a réinvesti ce patrimoine-là en mettant ça en situation. C'est une manière de se l'approprier. C'est une manière aussi d'écrire sa propre histoire. Et ce qui est intéressant chez ce photographe, c'est justement ça. C'est cette remise en cause permanente et cette manière également d'interroger son passé, d'interroger sa propre histoire pour réinvestir ça dans des perspectives renouvelées. À l'espèce, lorsqu'on parle de Saint-Louis, mais lorsqu'on parle d'Ethos au Sénégal globalement également, oui, ce rapport au surnaturel, ce rapport au fleuve qui a donné vie à toute une vie et tout un microcosme autour du fleuve et qui a donné aussi le Sénégal comme nation, parce que lorsqu'on interroge un peu les flux migratoires, il y a quelque chose de décisif qui s'est noué autour de la région du fleuve. Alors, cette perspective historique aussi est intéressante à interroger dans son travail, au-delà même de la maîtrise technique, du traitement de la lumière, etc. Voilà, ce sont autant de choses qui intéressent cet artiste, ce sont autant de questions également, et ce sont autant de choses à partager.